الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. À quoi consiste le jeûne du mois du Ramadan? Alors beaucoup de personnes pensent que le mois du Ramadan, c'est le mois où on s'abstient de toute nourriture tout au long de la journée, de l'fajr jusqu'au coucher du soleil, tout au long du mois. Et ça, c'est une compréhension erronée, complètement fausse, bien au contraire. Pendant le mois du Ramadan, tu dois te nourrir beaucoup plus qu'en dehors du mois du Ramadan. Mais de quelle nourriture on parle? On parle de la nourriture spirituelle, la nourriture de l'âme, tout au long de la journée et même après le coucher du soleil, mais particulièrement tout au long de la journée, et cela pendant une période d'un mois approximativement. Alors tout au long de l'année, on nourrit bien sûr son âme de manière spirituelle, avec la nourriture spirituelle, mais tu ne pourras jamais la nourrir aussi longtemps et comme pendant le mois du Ramadan. C'est pour cela qu'il est important de comprendre cette sagesse du mois du Ramadan. C'est la nourriture, mais c'est pas nourrir ton corps, c'est nourrir ton âme. Et c'est le mois qui te permettra d'éduquer ton âme comme tu ne pourras pas l'éduquer en dehors du mois du Ramadan. Et c'est le mois qui te permettra de nourrir ton âme comme tu ne pourras pas la nourrir en dehors du mois du Ramadan. C'est le mois de l'entraînement. C'est le mois de l'éducation. C'est ce mois-là où tu vas éduquer ton âme. C'est ce mois-là où tu vas pouvoir entraîner ton âme afin qu'elle te soit bénéfique, afin qu'elle te soit un soutien tout au long de l'année et pas un poids, afin que tu deviennes celui qui la maîtrise et pas l'esclave de ton âme. Donc le mois du Ramadan, c'est un mois qui Allah tabaraka wa ta'ala, à travers ce mois-là, t'éduque. Car Allah, notre Seigneur, c'est Ar-Rabb. Et il est appelé Ar-Rabb aussi parce que c'est Al-Murabbi, c'est l'éducateur. Et à travers le mois du Ramadan, Allah Jalla wa'ala nous apprend, nous éduque, nous enseigne plusieurs choses qui seront bénéfiques pour nous afin de purifier notre âme. Donc le mois du Ramadan, c'est un mois qui te permet de purifier facilement ton âme. Et si tu ne purifies pas ton âme pendant le mois du Ramadan, tu auras énormément de mal à purifier ton âme en dehors du Ramadan. Tout en sachant que l'âme, c'est ce qu'il y a de plus important. Car l'âme est éternelle. Quand la personne va quitter ce bas monde, eh bien l'âme ne mourra pas. Allah Jalla wa'ala dit dans le Coran « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Chaque âme goûtera à la mort. Et il n'a pas dit « chaque âme mourra » mais goûtera. Parce qu'elle va passer d'une étape à une autre étape. Elle va goûter à la mort, mais elle va continuer son cheminement dans l'au-delà. Et c'est cette âme-là qui te permettra de gagner le paradis éternellement, incha'Allah ta'ala. « Qad aflaha man zakkaha » Allah Jalla wa'ala dit « et certes a réussi celui qui l'a purifié ». Et c'est cette âme-là qui, quelquefois, te pousse à désobéir à Dieu, à faire du mal aux gens, à faire du mal autour de toi, à délaisser les prières, etc. C'est cette âme instigatrice au mal. Et c'est cette âme-là, l'âme bonne, qui te pousse ici à faire tes prières à l'heure, à faire du bien autour de toi, à obéir à ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, etc. Donc ici, afin d'atteindre le degré de la bonne âme, l'âme qui va être purifiée, il faut fournir beaucoup d'efforts, il faut l'éduquer, il faut la dresser quelque part. Et pendant le mois du Ramadan, Dieu te permet de la dresser. À titre d'exemple, nous avons As-Sahur. As-Sahur, c'est le repas que nous prenons le matin, avant Al-Fajr. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé fermement et fortement ici de ne jamais rater As-Sahur. Le repas comprend juste avant d'entamer la journée de jeûne. Pourquoi il nous l'a recommandé fortement, le prophète alayhi salatu wassalam? C'est dans l'intention de manger beaucoup afin de ne pas avoir faim dans la journée. Au bout d'une heure, deux heures, de toute manière, tu vas digérer, tu auras faim. Ce n'est pas ça. C'est il te rappelle à travers As-Sahur qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut éduquer notre âme, veut nous éduquer. C'est pour ça qu'il nous motive en nous disant et nous rappelant que le sahur, le repas qu'on prend le matin, un repas surtout pas à ne surtout pas manquer, eh bien c'est une bénédiction, c'est un repas spirituel avant d'être un repas du corps, c'est un repas de l'âme avant d'être un repas du corps. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam dans Sahih al-Bukhari dit tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le sahur, le repas du matin avant le fajr, car dans ce repas là il y a une bénédiction. Donc on voit que c'est un repas spirituel avant d'être un repas de l'âme.